Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, Alia réveillée depuis 6h du matin et elle a une pêche incroyable. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Voilà, donc, je ne comprends pas. Là, elle est en train de jouer. Je pensais qu'elle allait faire une petite sieste tout à l'heure. En fait, pas du tout. Elle m'a mis un vent. Donc, voilà, elle ne s'arrête pas du tout. Tout à l'heure, elle va être trop contente puisqu'on va avoir au téléphone Milo. C'est grand chéri d'Alia. Du coup, tout à l'heure, elle va pouvoir en profiter. Et elle va être hyper, hyper contente. Sinon, nous, le temps, il fait pas beau. Je sais pas chez vous s'il fait beau. Nous, c'est pas la grande joie. Il pleut. On va avoir un temps comme ça toute la semaine. Donc, on va devoir trouver des petites activités à faire à la maison. Elle est en train de jouer avec son ballon. Waouh, t'es grande, hein. Ouais, tu danses? Que la chaîne m'appartient. T'appuies sur le bouton? Appuie sur le bouton. Bravo, mon cœur. Bravo, maman. C'est la licorne? C'est la licorne? M'achète vêtements. Ouais. Allez, dans. Regarde. Ça l'a fait mort de rire, je suis morte. Oh là là. Oh. Bonjour Aya. Tu viens me faire un bisou? Tu fais un bisou à maman? Fais un bisou. Fais un bisou à maman. J'ai fait mon petit soin Botox que j'ai rincé, donc je voulais absolument vous montrer le résultat. Donc j'ai rincé ce matin, je les ai séchés, bon, c'est juste une tuerie, ça répare les cheveux en profondeur. Et hier j'ai fait le Botox Monoï,
Donc autant vous dire que là je sens le monoeil gras, j'adore, ça sent les vacances. Et je voulais vous montrer une gamme complète. Donc là il y a le Botox à la vanille, parce qu'en fait c'est à vous de choisir l'odeur que vous souhaitez. Il y a trois odeurs, il y a vanille, oud ou alors monoeil. Donc vraiment genre c'est à vous de faire votre choix. Et vous allez voir ça sent tellement bon, c'est incroyable. Et vous avez des gammes complètes, donc moi j'utilise le Botox capillaire une fois par semaine. Surtout j'entretiens bien avec le blond pour pas que mes cheveux soient abîmés. Et sinon, à chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise cette gamme-là. Donc en ce moment, je suis sur la gamme vanille. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. C'est des shampoings et après-shampoings texturés. Donc qui servent vraiment à guiner, à réparer le cheveu en profondeur. Donc c'est ça qui est bien. Vraiment, vous avez l'impression, une fois que vous lavez les cheveux, de sortir de chez le coiffeur. Parce qu'on ne voit même pas les fourches, on ne voit rien du tout. Tellement que les cheveux sont doux, brillants et en bonne santé. Donc c'est pour ça que c'est des shampoings et après-shampoings texturés. Normalement, je vous invite à le faire. Sérieusement, vous allez voir, dès la première utilisation, vous avez un résultat. C'est ça aussi qui est bien. Vous allez retrouver vos cheveux directement et puis vous n'allez plus vous en passer. Maybe, c'est une marque française et ils sont très bien notés sur Yuka. Pour dire que c'est des très bons produits, leurs notes sont excellentes sur Yuka. Peu importe quel produit, il y a même le sérum par exemple, il est noté à 100 sur 100 sur Yuka. Donc c'est un sans faute. C'est vraiment une marque de shampoing et de gamme pour cheveux. Incroyable. Et en plus de ça, je vais vous donner une note. Donc avec le code promo que je marque juste après, vous avez moins 50% valable sur tout le site, donc c'est énorme. Et vous avez une carte cadeau offerte de 60€ à partir de 60€ d'achat. Donc vraiment c'est pas négligeable, moins 50% plus une carte cadeau offerte des 60€ d'achat de 60€. Donc vraiment foncez, ça peut vous faire économiser et d'utiliser des bons produits pour nos cheveux. Bah, j'ai vu la différence, hein. C'est très... Je suis mis un petit peu au lit, je profite, je sens comme une petite baisse d'énergie. Donc allez, un petit repos de 20 minutes, ça va me requinquer. Je me connais, j'ai tout le temps la pêche. Et donc il me suffit d'un petit repos. Et après, on repart. On profite qu'il y ait du soleil un petit peu. Ça m'a mis dans le jardin, comme ça Alia joue un petit peu dehors, il fait bon. C'est trop bizarre parce que ce matin il pleuvait. Là, il y a du soleil, donc on en profite, comme ça elle n'est pas enfermée. Donc Alia, elle a eu Milo qui l'a appelé, donc trop mignon, Milo et Matteo. Oui, t'étais trop contente de voir ton copain. Bah oui. Voilà. Ça me raconte. Ah bon, tout ça. Oh là là. Tu l'as vu? T'étais contente, Alia? Quelle pipelette! Hein? Qu'est-ce que tu racontes à papa? Bye bye! Merci chérie. Allez, viens maintenant. Regarde, elle a peur de redescendre. Bah ouais, mais t'as su monter. Elle va y retourner et après elle va repleurer. Oula. Non. Bye bye. Alia, bye bye. Tu vas. Bye bye. T'es piqué.
hyper, hyper, hyper bon. Je comprends plus rien, je vous assure. Non, Alia, ça c'est dangereux. Pourquoi les enfants ont toujours les choses les plus dangereuses? Non, donne à maman. Donne. Merci. Non plus. T'as faim ou quoi à vouloir tout mettre dans ta bouche? Hein? Oui. Allez, grimpe. C'est pas marché, mais c'est grimpé. T'appelles le chat? Sarah. T'as entendu ce qu'elle fait? Tu dis tata. Tata. Tu dis maman. Tu dis papa. Est-ce que tu me fais un bisou à maman? Je vais te bouffer. Bouffer. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux maman? Ouais, bah oui, c'est... Oh là là, c'est l'heure du goûter. Tu veux maman? Ouais. Ah, tu vas me faire tomber. Oui, on va maman. Ce soir, les filles, je vous filme. Je fais une petite recette de crêpes. Ce soir, on va... On en a fait avec d'autres légumes. Pas les mêmes qu'hier, mais bon, c'est le même principe. Après, vous mettez. Bonne journée les filles et les garçons. Donc je vais vous montrer le repas de Alia ce soir, donc qui est prêt. On aura juste à réchauffer. Donc voilà, elle a encore une petite galette différente d'hier, des petites pâtes aux légumes et on retrouve des petites courgettes parce qu'elle adore ça. Je ne sais pas ce que vos bébés aiment particulièrement. Moi, Alia, elle aime la courgette, mais vraiment, genre, ça fait plaisir à voir. Pour l'instant, elle n'a pas trop de difficultés avec les légumes. Moins le légume que je dirais qu'elle aime moins, c'est le chou-fleur. Mais voilà, sinon elle aime vraiment tous les légumes, donc je suis vraiment contente. Voilà, elle est vraiment déchaînée encore. Là, ça, on va pas tarder à aller au bain, donc c'est vraiment toujours l'heure un petit peu fatidique. L'heure où elle est entre je suis excitée, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée et j'ai faim. Mais là, ça va, voilà, elle joue. Mais en ce moment, elle joue avec les armoires, donc j'aime pas trop ça. Normalement, je vais commencer à acheter des trucs pour les armoires. Bon, ça l'amuse d'ouvrir et de fermer. Elle ne fouille pas dans les tiroirs, mais elle est plus là en train d'ouvrir et fermer le tiroir. Donc, elle découvre en même temps. Voilà, je n'ai pas envie de trop tout lui interdire parce qu'en fait, c'est un bébé qui découvre. Elle a un an, donc elle découvre. C'est comme les gens qui me disent « Oui, il faut la laisser pleurer, sinon elle va être capricieuse. » Un enfant à un an n'est pas capricieux. Non, il découvre ses émotions. Et il connaît plus le terme frustration de caprice. Donc voilà, après chacun fait comme il veut avec ses enfants, avec l'éducation de ses enfants. S'il y en a qui vous les laissez pleurer, ben, vous les laissez pleurer. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà. Bravo, ma fille. Tu ouvres? Mais il faut fermer maintenant. Alors, il y a un coupe-fin naturel qui marche très très bien de chez Wonder Nana. Il s'agit du Magic Powder.
C'est simple pour toutes les personnes qui cherchent un réel coupe-faim qui marche instantanément. C'est ça qu'il vous faut. À l'intérieur, il y a du konjac. Le konjac, c'est naturel et c'est quelque chose qui va venir gonfler en contact de l'eau. Et justement, ça va venir gonfler dans votre estomac pour avoir cet effet de comme si ben, on avait assez mangé. Donc forcément, on va manger des petites quantités grâce à ça. Je vous donne un exemple. Si à la base, vous mangez une pizza en entier à midi ou le soir, si vous prenez le Magic Powder avant, vous allez manger enfin, même pas la moitié de la pizza parce que vous allez ne plus avoir faim du tout. Et c'est incroyable. À l'intérieur, il y a trois plantes naturelles. On retrouve également du cactus et du psyllium et le konjac, ce que je vous disais juste avant. En fait, pour mieux vous expliquer, comme ça vous allez mieux comprendre le principe du Magic Powder qui est 100% naturel, je le redis parce que c'est très important, c'est, vous savez, ma mère, il y a un petit moment maintenant, elle a mis un ballon gastrique. Donc c'est quelque chose qu'on avale, c'est une pilule et ça vient gonfler dans l'estomac. C'est de l'eau qu'on gonfle dans l'estomac et ça vient prendre la partie... toute la partie de l'estomac. Il reste une petite partie. En fait, c'est ça qui va nous donner faim. On va manger un tout petit peu, vraiment des petites quantités et on va maigrir. Parce qu'en mangeant des petites quantités, forcément, on va complètement maigrir. Et bien, c'est le même principe que le ballon gastrique, sauf naturel. Parce que le konjac, on va le boire, ça va gonfler, ça va devenir de la gélatine dans notre estomac et on ne va plus avoir faim du tout. C'est simple à prendre et c'est hyper bon, je vous montre. Donc 15 minutes avant chaque repas, donc dans votre journée, vous allez prendre le Magic Powder. Donc là, moi, je l'ai saveur fruits exotiques. Vous avez d'autres saveurs sur le site. Saveur fruits exotiques, pour toutes les personnes qui aiment l'oasis tropicale, c'est comme si vous buviez un verre d'oasis tropicale. Vous prenez un verre, une cuillère à soupe et en fait, on va mettre une cuillère à soupe dans notre verre. Hop. On va le remplir. Par contre, il faut boire très vite parce que ça devient très très rapidement de la gélatine. Parce que ça agit, comme je vous dis, instantanément. Donc là, on mélange. Et là, hop, on vient boire hyper rapidement, cul sec. Bien frais. Et là, regardez, c'est déjà devenu de la gélatine au fond. Je sais pas si vous voyez. Incroyable. Et voilà, c'est fait. Donc 15 minutes avant chaque repas. Là, je sais que il va y avoir le repas. Je vais pas avoir faim. Le repas du soir, je sais que ça va me caler complet. Je vais manger vraiment des petites quantités. Et ça, c'est vachement bien pour les personnes, par exemple, vous êtes parti en vacances ou alors ces derniers jours, vous avez vraiment exagéré et vous voulez perdre, éliminer ce que vous avez pris et justement manger des petites quantités. Donc, habituer votre estomac à manger vraiment en petites quantités. Ça, il n'y a rien de plus naturel. Wonder Nana, c'est du Made in France, c'est du 100% naturel. En plus, je vais vous donner un code promo de moins 40% pour avoir toutes les cures ou tous les produits, en l'occurrence aussi le Magic Powder. À moins 40%. Et aussi, vous allez être hyper, hyper, hyper content. Sachez que Wonder Nana, les produits de Wonder Nana se trouvent dans les plus grandes pharmacies de France. Je vais vous mettre la liste des pharmacies où vous pouvez retrouver leurs produits. Comme ça, bah, si vous êtes, s'il y a une pharmacie dans votre ville ou dans votre région, allez-y. Comme ça, vous allez pouvoir demander à la pharmacienne les produits, vous renseigner et regarder les produits en vrai en pharmacie. Sinon, bah, n'hésitez pas à commander avec mon code promo sur le site internet directement. Et ça, c'est trop, trop, trop bien.
à Gibraltar. Ils n'auront que quelques minutes pour décider de se marier ou non au premier regard. Bonjour de bon matin. On ouvre encore quoi là? Oh là 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 là. Ça mise à ouvrir, à fermer. J'allais mettre du scotch. Hein. En attendant. Alors j'en profite pour répondre un petit peu à vos questions de bon matin. Oui, alors sachez que je ne donne pas de protéines tous les soirs, donc en l'occurrence les œufs. Mais en fait, la protéine, pourquoi ils déconseillent? C'est déconseillé, c'est pas interdit. C'est parce qu'ils disent que souvent les bébés ont du mal à digérer. Du coup, ils vont être perturbés dans leur sommeil. Moi, en l'occurrence, Alia, ça ne la perturbe pas. Et voilà, elle n'a pas de problème de digestion. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de lui faire une fois sur deux. Voilà. Donc, voilà. Pareil pour le sel, c'est une petite pincée. À partir de 12 mois, vous pouvez mettre une petite pincée de sel dans l'alimentation de bébé. Sachant que dans les plats... Alia, il ne faut pas faire ça. Elle fait exprès de se cogner la tête. Sachant que dans les plats, déjà tout fait que vous pouvez acheter des bébés, il y a déjà un peu de sel dedans. Ils mettent du sel dedans. Voilà. Là, j'en profite vraiment pour répondre à vos questions concernant Alia et tout, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Elle s'endort seule, c'est-à-dire qu'elle ne s'endort pas avec moi dans les bras. Elle ne me voit pas. Elle sent juste ma présence dans sa chambre. Et elle s'endort très bien comme ça. Voilà. Donc, j'ai toujours fait ça. Personnellement, ça ne nous a jamais posé aucun problème. Je vois pas pourquoi je passerais un sommeil autonome, parce que on va dire que c'est quand même un sommeil semi-autonome. Elle n'est pas dans mes bras, elle est allongée, elle parle et elle sent juste que je suis là pour la rassurer. Et elle s'endort.